Oh, salut mon petit pote, c'est Romu. Alors aujourd'hui, petite vidéo de prévention. Hein. Alors tu sais, moi je suis quelqu'un qui se promène beaucoup sur Le Bon Point, Vinted, Rakuten, eBay. Enfin, je regarde, je scrute. Et ce matin, je me promenais sur Le Bon Point et je suis tombé sur un truc qui m'a fait doucement rire. Un monsieur te vend un article de seconde main deux fois le prix du neuf. Et en plus, il te réclame 3,50 € pour te l'envoyer chez toi. C'est-à-dire que le mec, il va te sucrer 25 balles sur ton dos, plus 3,50 € pour te l'envoyer. Alors il y a des fois, tu sais, quand je vois des trucs comme ça, je pourrais faire des vidéos tous les 5 minutes. Sur la chaîne, je pourrais t'en mettre, je sais pas combien, tu vois. Alors, je vais te montrer un truc qui est quand même assez foutage de gueule. Mais c'est grave. Moi, je trouve ça, mais lol, quoi. Un mec te gratte 25 balles sur ton dos. Et en plus, il te dit, ouais, non, je le vends parce que j'en ai plusieurs. En fin de compte, t'en as acheté plusieurs et tu veux que c'est les gens qui te les payent. Lol. Alors, ce jeune homme te vend un adaptateur. On va te montrer. Voilà. Ce charmant jeune homme te vend un adaptateur pour Neo Geo. Enfin, un adaptateur Bluetooth, hein, voilà. Pour jouer avec ta Neo Geo CD, Neo Geo AES, MVS, sans fil. Hein, voilà. Un truc Bluetooth. Et le mec, il te vend ça à 48 balles. Plus 3 euros de frais de port. 3,50 €. Et il croque, hein. Il croque, hein. Alors moi, ce qui me désole, c'est que le mec, encore, tu vois, il gratte 5 balles. Vois, il le paye 25 balles. Il le met à 30 balles. Récupérer en fin de compte pour pas perdre d'argent. Bon, là, je me dis, ok, là, mais là, le mec qui te le met, t'as deux fois le tarot plus les frais de port. Putain, et chien de la casse, c'est bon quoi. Faut arrêter d'essayer d'escroquer les gens, quoi. Alors, pourquoi je dis que c'est un escroc? Bah, parce que regarde, tu vois, le même truc sur AliExpress, il est vendu 25 balles, quoi, enfin, 26 balles, quoi. Ça dépend le jour, quoi. Il y a des fois, il est à 23, il y a des fois, il est à 27, et c'est comme sur Amazon, les prix varient d'un jour à l'autre. Donc, messieurs. Et mesdames, quand vous achetez des produits sur Vinted, eBay, Le Bon Point, Rakuten, bah il y a des fois, vous savez, c'est bien de regarder sur plusieurs sites et pas se précipiter pour acheter. Allez voir directement à la base. La base, c'est AliExpress. Tout le monde achète ses produits sur AliExpress. Regardez, je vais vous donner un exemple là dernièrement. Un exemple. J'ai un ami qui cherchait un appareil. Et il l'a acheté sur Le Bon Point d'occasion. Bah, tiens, j'ai fait de bonne affaire. Et il m'a montré l'appareil. Et je suis désolé de vous dire ça, le truc qu'il a reçu, c'était un truc qui était à moitié éclaté. Et il a payé deux fois le prix, quoi. Et il pensait avoir fait de bonne affaire. Je lui ai dit sur AliExpress, il a ce prix-là. Ah ouais, mais moi je commande pas sur AliExpress. Le mec, il avait encore la peur d'AliExpress acheter sur le site chinois. Ouais, les produits, on les reçoit pas. Enfin, il avait encore plein de préjugés. Alors moi, aujourd'hui, ça fait des années que je commande sur AliExpress. Une seule fois, j'ai pas reçu un produit. Une seule fois. Et c'était des piles. Et il y en avait pour 2,60 €. Je leur ai signalé, m'ont remboursé dans les 15 jours. Donc, alors attention, hein, je dis pas que tous les vendeurs d'AliExpress sont des gens réglo, mais si vous allez sur des boutiques qui ont énormément d'avis positifs, c'est très très rare qu'ils ont l'envie de vous arnaquer, hein, les Chinois. Les Chinois, c'est pas, malheureusement, je vais être sincère avec vous, c'est pas les Européens, vous savez. Regardez, je vous donne un exemple, hein, tout bête, sur Le Bon Point, là. Il y a une Neo Geo. Une Neo Geo AES en boîte. Lot série avec le petit certificat qui dit que la console, elle est matching member. Et le mec, il vous vend ça combien? Écoutez bien. Il vous vend ça 550 €. Il a aussi une console collector Zelda qui vaut dans les 700 balles, il vous l'a fait à 300 balles.
vous le contactez, il vous dit ah, je prends pas le paiement par le bon point, je passe par PayPal. Et c'est entre proches ou par virement bancaire. Donc encore une escroquerie, quoi. Je l'ai signalé, le mec. Je l'ai signalé de toute façon. Avant qu'ils bougent leur cul sur le bon point. Enfin bon, voilà, quoi. Donc méfiez-vous des annonces qui sont trop belles. Hein. Et ce qui est marrant, c'est dans son annonce, il dit ouais, Nogeo AES avec un Unibios 4.0, machine d'origine jamais démontée. On voit que le mec, c'est encore un bolos, c'est parce que c'est un Unibios, parce que l'Unibios, tu le soudes sur la carte mère. Enfin bon, voilà, messieurs et mesdames, moi je vous laisse là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ouais, ciao, ciao, et prenez soin de vous.